Hello, tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai fait une petite commande chez Keepers Créatif et donc j'ai reçu ma commande aujourd'hui et je voulais vous montrer tout ça. Donc pour commencer, donc j'ai repris des crayons comme ça, donc je remplis ma petite collection. J'ai pris un vert, un bleu turquoise, marron. En fait, il y a plusieurs teintes. Et donc ça, pour coloriser mes tampons, c'est juste tip top. Là, j'ai déjà... Donc là, mes boîtes sont déjà remplies et il y en a 5 par boîte. Donc voilà, ensuite ils ont sorti des nouveaux tampons acryliques. Donc c'est Paper Nest Dolls. Et donc c'est une collection de tampons de Noël et ils sont juste... J'aurais dû en avoir un autre également, mais il était en rupture, donc je l'aurai quand il sera de nouveau disponible. Donc j'ai choisi celui-là, donc avec une petite fille et donc qui poste une lettre ou qui la reçoit. Et j'ai vraiment trouvé ça super mignon. Donc il se présente comme ceci et on a juste besoin d'un bloc acrylique et c'est tip top. Donc celui-là et j'ai pris également celui-ci, qui est super mimi également. Petite fille avec des petits cadeaux. Donc pour mes cartes ou même des pages, c'est juste tip top. Donc je vous mettrai les prix en barre d'infos si vous êtes intéressé. Ensuite, je me suis pris ce set de tampons acryliques. Donc il me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et donc voilà, je l'ai pris. Donc il y a une rose, un petit oiseau, un petit cœur. J'ai trouvé super mignon. Ensuite, j'avais commandé, pareil, il était en rupture et quand j'ai repassé commande, il était à nouveau disponible. Donc, désolée pour le bruit, j'aurais dû l'ouvrir avant. Donc c'est Flower Garden et c'est un petit bloc de la collection Marianne Design. Et c'est vraiment couleur hivernale que j'adore. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Avec une main, c'est pas terrible. Donc voilà déjà cette page. Là également, les papiers sont juste à tomber. Ils sont magnifiques. Et des petits papillons. Des petites fleurs. Encore des petits papillons. J'adore ces papiers. Donc voilà pour ce bloc. Ensuite, j'ai repris un paper pad. Donc je continue ma petite collection. Parce que pareil, les papiers là sont, c'est juste recto et là c'est recto verso. Hop, je vais montrer comme ça. Les papiers sont sublimes.
Voilà pour celui-là. Et j'ai pris une petite planche également sur le thème de Noël. Donc ça, c'était en cadeau dans le catalogue. Faudrait que je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais en fait, sur le catalogue, c'est marqué que c'était gratuit. Et donc, c'est vraiment super sympa. Donc ça, pour faire vos cartes comme là en 3D, c'est juste tip top. Là aussi, on peut faire en 3D. C'est super mimi. Bon, je sais pas si on va bien voir. Si je fais comme ça. Les motifs sont super jolis. Donc voilà. Donc là c'est le petit catalogue. Donc voilà pour ma petite commande. Donc je suis super contente d'avoir reçu tout ça. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mettrai tout de toute façon en barre d'infos. Donc les produits avec les prix. Et moi je vous dis à une très prochaine vidéo. Je vous fais des gros gros bisous. Ciao !